Hello tout le monde et bienvenue sur Blendo pour la review du Diamondback Explorer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Diamondback ? Eh bien, c'est l'un des meilleurs explorers du jeu. Tout simplement, je pense qu'il fait partie du top 3. Il est même, je pense, 3ème, hein, vu sa facilité, on va dire, de propulsion FSD. Bien sûr, il ne peut pas être, on va dire qu'il est meilleur en termes de saut FSD que l'ASP, mais par ses points d'emport et surtout par ce qu'il a en soute, donc en slot interne, c'est pas terrible. Donc on privilégiera l'ASP pour les grands voyages. Donc vous voyez que ses stats sont plutôt potables, hein, franchement, hein, y a pas à dire. Au niveau des armes, vous voyez, il a un canon un peu large, donc il peut faire un petit bounty hunting, voilà, si vous voulez. Le perso bounty hunting, c'est faisable, mais bon, c'est pas sa priorité. Donc c'est un Lacon, donc intérieur Lacon, hein, donc intérieur pas top top, mais par contre grande verrière, ce qui est pratique pour l'exploration. Donc je disais que si vous voulez faire des courtes explorations, hein, donc on va dire 5000 AL, pas plus, vous pouvez largement jeter votre dévolu sur ce magnifique vaisseau qui voilà, ce sera vraiment faire le café pour ce type d'exploration. Pour des explorations moyennes et longues, ça sera l'ASP, et bien sûr pour tout type d'exploration, ça sera l'Anaconda, qui est vraiment le meilleur explorateur du jeu. Donc avec ce vaisseau en optimisé, on peut monter jusqu'à 53 AL par saut, ce qui est vraiment très bien. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce vaisseau, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un bon explorateur. Pour le reste, il y a mieux et moins cher. C'est pour ça que je vous dis à la prochaine tout le monde sur Blendo, et en tout cas pour moi ce vaisseau est vraiment à prendre, testez-le. Voilà, c'est tout, à plus tout le monde.